Bonjour les enfants, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire, cette fois-ci autour des cauchemars. C'est parti! Il y a un cauchemar dans mon placard. Une histoire de Mercer Meyer aux éditions Gallimard Jeunesse. Autrefois, il y avait un cauchemar dans mon placard. Aussi, avant d'aller dormir, je fermais soigneusement la porte. Cependant, j'avais encore peur de me retourner et de regarder. Quand j'avais regagné mon lit, je jetais un dernier coup d'œil. Pas toujours. Une nuit, j'ai décidé de me débarrasser, une fois pour toutes, de mon cauchemar. Dès que la chambre fut dans le noir, je l'entendis glisser vers moi. J'allumai brusquement et le surpris assis au pied de mon lit. « Va-t'en, cauchemar » m'écriai-je, « ou je tire !» De toute façon, j'ai tiré et mon cauchemar s'est mis à pleurer. J'étais furieux, mais pas tellement. Cauchemar, lui ai-je dit. Tais-toi, reste tranquille, sinon tu vas réveiller papa et maman. Comme il ne voulait pas s'arrêter de pleurer, je le pris par la main. Et l'installa dans le lit. Puis, j'allais gaiement fermer la porte du placard avant de le rejoindre. Je suppose qu'il y a un autre cauchemar dans le placard, mais mon lit est vraiment trop petit pour trois. Voilà, fini les cauchemars maintenant. À très bientôt pour de nouvelles histoires.